Dans l'affiche aujourd'hui, nous parlons de Trinity, mais on fera un récap de tout ce qui a été déjà enregistré à Kinshasa. Mais bien avant, directeur artistique de LMTV, Michael Waoum, comment vous allez? Oh, ça va bien. Vous apprenez quelques mots déjà en lingala? Oh, en tout cas, le concert est à moto. Le concert à Isamoto, hein. Si c'est juste, en tout cas, on ne parle pas lingala, ici, on est sûr qu'ils vont nous corriger. Et nous allons certainement joindre, il est avec nous, il est à Kinshasa avec nous dans quelques heures, il sera en attraction, on l'a dit, dans cette salle de salle Congo du Pullman Hotel. C'est bien Michel Bakenda, on va tenter de le joindre, savoir dans quel état d'esprit actuellement il est avant ce concert. LMTV présente Trinity, le meilleur du gospel. Trinity in Kinshasa, trois des meilleurs artistes de gospel de la RDC sur scène. Michel Bakenda, Lorm Bongo et Henri Papa Mouladja. Trinity in Kinshasa, un spectacle VIP inédit, haut en son et lumière, avec le meilleur du gospel en RDC. Trinity in Kinshasa, chant, danse, c'est la fête à Kin. Trinity in Kinshasa, Michel Bakenda, Lorm Bongo, Henri Papa Mouladja. Trinity in Kinshasa, dimanche 30 juin à 16h au Salon Congo du Pullman Kinshasa. Trinity in Kinshasa, une célébration à ne pas rater. Tickets en vente au Pullman Kinshasa, à l'église Parole du Salut et dans bien d'autres églises. Trinity in Kinshasa, le meilleur du gospel en RDC. Infoline 243 84 46 69 426. Trinity in Kinshasa, c'est l'heure. Voilà, comme annoncé dans le début de cette émission, nous sommes avec Michel Bakenda qui est avec nous ici à Kinshasa. Dans quelques heures seulement, il sera sur scène avec Lorm Bongo et Henri Papa Mouladja. Frère Michel Bakenda, shalom. Shalom papa. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Gloire à Jésus-Christ. Alors Michel, on est très heureux d'être avec vous ici à Kinshasa. Dans quelques heures seulement, vous serez sur scène avec Lorm Bongo, Henri Papa Mouladja, je l'ai dit, pour Trinity. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Comment vous vous sentez? Oui, il faut dire qu'à chaque fois que Dieu nous accorde l'opportunité de les célébrer, de les chanter, c'est toujours une grâce. Donc, on est fort excité de passer ces bons moments, de bénéficier encore de cette grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir l'adorer avec son peuple. Gloire à Jésus-Christ, voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous promettez à ces nombreux, je dirais, adorateurs, adoratrices qui viendront pour danser à la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un nouveau concept encore à pas jeu de pied? On va danser quoi encore, Michel Bakenda? Bon, nous, la première des garanties, c'est que Dieu sera présent. Vous savez, quand Dieu est présent dans un lieu donné, le reste devient facile. Donc, chacun viendra avec la soif d'avoir tout ce qu'il veut parce que Dieu est présent. Quand Dieu est présent, ça suffit. Amen, donc, voilà. Amen. Alors, nous, on a vraiment, je suis prêt. Jeu de pied, c'est au fait une danse prophétique. Hein. Ah bon? C'est une façon de dire que quand je bouge, Dieu me fait bouger. Waouh. Voilà. Nous, on est pressés, on a hâte de danser ça sur scène. Jeu de pied, déjà, ici, on commence à esquisser quelque part de danse. Alors, Michel, très rapidement, un appel à tous ces personnes, toutes ces personnes qui veulent se déplacer, qui veulent venir pour cet événement. Un appel. Oui, en tout cas, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes aux alentours, vous êtes même en Europe. Si seulement tu m'as suivi, sache que Dieu a permis que tu me suives pour venir. Alors, n'étiez pas comme de la distance. Donc, venez avec la soif de rencontrer le Dieu qui change le menu de nos vies, car nos vies ne resteront plus le même après avoir adoré les dieux du ciel. Donc, voilà. Amen. Rapidement, avant de vous laisser, un petit a cappella, Michel, un petit a cappella. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, Jésus, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon Jésus, Jésus, je t'aime. Merci Michel, merci beaucoup. Rendez-vous, c'est dans moins de 48 heures, ça sera à la salle Pullman, on dira la salle Congo de l'hôtel Pullman. Merci encore Michel et puis merci. On se donne rendez-vous dans quelques heures seulement. Alors Déa, Michel, oui, on a écouté, il est prêt avec évidemment, le jeu de pied, une danse prophétique. Voilà. Que dites-vous déjà, chaud là? Oh, vraiment, ça fait plaisir de voir que tout le monde est prêt, vraiment, toutes les équipes sont prêtes, les équipes LMTV, les artistes, comme on dit, ce sont l'une des meilleures voix du gospel du Congo.
Voilà, ils seront avec nous après-demain, dimanche 30, à partir de 16h. Et ça sera un spectacle en couleur, un show inédit qu'il faut vraiment vivre. Voilà, il ne faut pas se le faire raconter, il faut le vivre. Et les tickets sont en vente, bien sûr, au niveau du Pullman, Pullman de l'hôtel. $40, c'est un prix étudiant pour la circonstance. Et vous pouvez aussi retrouver les tickets dans les différentes églises, telles que Parole du Salut, La Borne IPN, Sebeko Bandal 2 et bien d'autres. Donc voilà, nous sommes fin prêts. Tout est à pied d'œuvre actuellement. Les équipes sont en train de bouger ça et là. Il faut dire que ça fait bientôt, quoi, on va dire quelques jours que nous sommes là, bientôt une semaine et plus que nous sommes là, à gauche, à droite, en train d'enregistrer ça et là. Et ça fait vraiment plaisir de finir ce séjour-là par cette apothéose-là, ce grand show haut en couleur, comme je l'ai dit. Et il y aura des chants, des danses, de grandes surprises. Il y aura des grands classiques qui seront révisités. Et puis, Laure Bongo va interpréter des chansons de Michel Bakenda. Michel Bakenda interprète des chansons de Papa Pongo. C'est ça le concept de l'émission Trinity. Voilà. Et donc, il faut venir découvrir cela, entendre une chanson qu'on a aimée, qui nous a fait du bien dans le cœur, avec d'autres colorations, d'autres couleurs de voix. C'est vraiment formidable. Et c'est un moment de communion. Comme il a dit, il faut venir dans une attitude d'adoration, une attitude de célébration. Et puis, nous croyons que le Seigneur sera au rendez-vous. Nous croyons que le Seigneur sera au rendez-vous. Je rappelle les contacts, évidemment. Allez-y. Voilà. Plus 243, 844, 669, 426. Je répète, plus 243, 844, 669, 426. Et voilà, je pense que... Je vais lancer un appel direct. Ah, il faut lancer l'appel, merci. On est tout heureux. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, voilà, comme le frère Michel vient de le dire, il ne faut pas hésiter, il faut venir. Il faut venir vivre, il ne faut pas te le faire raconter. Voilà, les tickets sont disponibles, il faut courir, venir prendre les tickets afin de réserver sa place et puis être là pour vivre cet événement-là. C'est un show inédit, c'est un nouveau concept, bien sûr, et on va le retrouver dans plusieurs pays. Et on va dire que le Congo a la primauté de ce spectacle-là, Trinity in Kinshasa, à découvrir dans 2 jours, le dimanche 30 juin à partir de 16h au Pullman Hotel à la salle Congo. Waouh, wow, extraordinaire moment, excellent moment à vivre. Jésus Azali, il est là. Il est là, oh, Amen. Il est là. Gloire si à le Jésus. Pasteur marchait pas Lingala, je veux que Jésus... Vraiment. Ça, c'est pas en langue, il parle. Hein. Voilà, donc on tenait à dire vraiment un grand merci à toutes ces personnes-là qui nous accompagnent depuis le début de notre séjour ici, tous les pasteurs, toutes les églises qui sont à pied d'œuvre pour permettre un très beau séjour. Et je pense que le nom du Seigneur est béni. Ah, en tout cas, sur ce plateau, on fera ce matin un petit challenge. On a 3 artistes qui vont... Ne vous inquiétez pas. Franchement, parce qu'on s'inquiète. C'est quel challenge. Non, oh écoutez, là là. Moi, Michael, je pense qu'on a l'homme au moment qui est là, elle ne vous inquiétez pas. À Paul Félicien, on a Michel Bachelet qui a présenté par les deux. Et puis enfin, on a Henri Papa Moulaja qui est présenté par Jean-Richard Nguéco. Ils vont nous présenter quelque chose en quelques secondes. Jean-Richard, quelle est la chanson de Henri Papa Moulaja que tu aimes personnellement? Hein, pourquoi pas Jéhovah ? Jéhovah. Très belle chanson. Très belle chanson. Est-ce qu'on peut présenter quelque chose ? Je crois pas. On va laisser là tout chanter. D'accord. Et ceux qui nous présentent là au Mongo sur ce plateau ce matin, on a dit c'est notre deux. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, franchement. Je ne la qualité vocale est l'orteil là. Franchement, c'est une grande dame de la musique gospel et toi, tu te permets de me dire de chanter une de ses chansons. C'est pas possible. Hein. C'est vrai que j'aime Baba, une de ses chansons et je l'aime. C'est quoi beaucoup. Le refrain de Baba, ça donne quoi Baba avec les pattes dansantes. On l'a vu, hein, le Dia, il était au four au moulin dans la réalisation de ce fameux clip-là. Et puis Dia, est-ce que vous aimez l'une des chansons particulières de ces différents chantres qui seront sur scène? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup à les écouter. Et voilà la chanson tout à l'heure de Michel Bakenda que j'écoute beaucoup. Je t'aime, voilà. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ça peut donner quelque chose, ça. La version de Mike, ça donne quoi? La version de Mike. On va l'écouter. Mike représente Michel Bakenda avant le jour J. On écoute Mike. Quand j'étais dans les problèmes, Jésus m'a secouru. Je te dis merci, tu es mon yaya. On a applaudi quand même un peu. Vous l'êtes fort. C'est merveilleux. Voilà. Donc voilà, nous réservons voilà, pour découvrir la suite. Rendez-vous après-demain.
dimanche 30. La suite, la suite, la suite de Bakenda. Cette suite, on l'avait pas. On l'avait pas. D'accord, rapidement, on va redonner le contact avant de poursuivre dans cette émission. Voilà, les contacts, bien sûr. Je le lis autrement. Plus 243 84 46 69 426. Plus 243 84 46 69 426. Merci Mike. En tout cas, cette belle ambiance qui règne ici au studio, c'est celle-là qui va régner également. Plus que ça, on dira même, dans deux jours seulement, ça sera la salle Congo de l'hôtel Pullman. Il faut venir si vous êtes dans quelques contrées avoisinantes donc de Kinshasa. Prenez déjà vos différents tickets. On a dit 40$ seulement, un prix étudié. Venez nombreux donc massivement pour qu'on puisse célébrer le Seigneur ensemble. On reviendra sur l'événement en fin d'émission. Pour l'instant, on va retrouver Paul Felicia dans le Trickbox.